Mesdames et messieurs, bonjour pour tous ceux qui nous rejoignent et puis bonne continuation, bonne suite de programmes sur le network de FIBA, FIBA Africa. Pour ceux qui étaient là pour le premier match qui a vu l'Algérie s'octroyer la médaille de bronze aux dépens de l'Ouganda sur les jeunes filles sur le score de 51 à 53. Nous vous accueillons maintenant pour la petite finale qui va opposer le Tchad à l'Algérie, le troisième de la phase préliminaire, c'est-à-dire le Tchad, le quatrième de la phase préliminaire, donc le Tchad, contre le troisième de cette même phase préliminaire, les Tchadiens qui étaient sur un bilan de 3 victoires, 3 défaites, quant aux Algériens, 4 victoires et 2 défaites. Les Algériens se sont inclinés... Les Algériens se sont donc inclinés contre l'Égypte de façon tout à fait logique. Les Tchadiens, eux, ont perdu 70 à 40 contre le Mali. Et c'est donc une petite finale, un match pour la troisième place, en tout cas, qui sera très très importante. Les Tchadiens qui sont à leur première participation dans cette Coupe d'Afrique, dans ce championnat d'Afrique U16 garçons. Les Algériens qui reviennent après une période muette de 10 ans et qui vont essayer justement de frapper un grand coup en montant sur le podium cet après-midi dans ce National Stadium du Caire où la FIBA a organisé, en tout cas de main de maître, cette compétition. C'est un match qui met en phase deux oppositions de style. On a un basket algérien un peu plus structuré avec un Zakaria Kodja, le meneur de jeu, qui garde beaucoup le ballon. Et puis de l'autre côté, pour les Tchadiens, on a une équipe très athlétique, très forte en percussion, avec de jeunes joueurs qui cherchent à se rapprocher de la raquette pour pouvoir scorer. Et hier on a eu un très bon Abdelkerim qui a scoré 17 points contre le Mali, ce qui n'est pas rien. Caleb Amdingue, 6.8 rebonds et Lawa Abbas, 6 points. Du côté algérien, on a bien vu que tous les ballons passés par Zakaria Kodja, très bon meneur de jeu, même si, comme je le disais, il a tendance à en faire un peu trop, mais ça reste un très bon meneur de jeu, ça reste le leader de cette équipe algérienne. Deux oppositions de style, qui va l'emporter pour cette médaille de bronze, hein, qui serait une très bonne médaille pour ces deux équipes qui font figure, on va dire, de novice même pour l'Algérie, qui était absente depuis quelques temps. L'équipe algérienne qui a fait venir quelques joueurs d'Europe, de France notamment, le numéro 13 Naël Lekfir qui joue à Sainte-Foy, le numéro 11 Younes Beljilali qui joue au Toulouse Basketball Club, et puis le 5 Naël Yayaten qui joue à Lille Métropole Basket. C'est une équipe qui a aussi quelques gabarits importants avec Mehdi Gherbi, 2m02, avec un Mars Karabi, 2m02, très très bagarreur au rebond. Et à présent, ça sera la cérémonie protocolaire pour présenter cette petite finale homme. Alors, pour le Tchad. Djouama Sabaldi, Dignan Elvis, le 6, Yamtembay Manuna, Mokia Lawa Abbas, le 9, le 12, Abdelkerim, le 13, Caleb Andingue, le 14, Koslingar, le 15, Mahamat Tafir, un des meilleurs rebondeurs du tournoi. Et l'encadreur, le technicien Manuel Asro.
pour l'Algérie. Le 4, Zakaria Kodja, très bon meneur de jeu, je l'ai dit. Naëlia Yatienne, le 5. Le 6, Mehdi Gherbi. Le 7, Merz Karabi. Le 8, Ayous. Yassine Menasser, le 9. Adam Bouzidi, le 10, joueur de l'ASVEL. Le numéro 11, Younes Beljilali. Le 12, Youssef Bouzid, qui s'est fait mal au poignet. On espère que c'est rien de grave pour lui. Le 13, Naël Lekfir. Le 14, Zakaria Abdelouad. Le numéro 15, Khalil Amimer. Et le coach, Riyad Chitou, assisté de Toufik Benakouche. Et à présent, ce sera l'hymne national du Tchad. C'était l'hymne national du Tchad. Maintenant, c'est au tour des Algériens. National algérien, bien accompagné par l'équipe féminine qu'on voit au-dessus du banc algérien. Les féminines qui ont remporté la médaille de bronze, et ce serait une très belle chose que les Algériens puissent placer deux équipes sur le podium. Deux médailles de bronze pour un pays qui est absent des compétitions jeunes depuis 10 ans, ce serait une sacrée performance. Mais avant ça, il faudra se coltiner cette équipe des Sao du Tchad, une équipe qui est capable de faire déjouer cette équipe algérienne. Les Algériens qui seront privés de Youssef Bouzid, on l'a vu, il s'est blessé hier au poignet. On lui souhaite le meilleur, on lui souhaite en tout cas un très très prompt rétablissement. Le match sera officié par le trio arbitral composé de Hussein Gamal d'Égypte, Silver Ngbeji du Bénin et de Moké Nyombilé de Côte d'Ivoire. Voilà les joueurs qui reprennent quelques petits instants de réchauffement. C'est de remettre la machine en route. L'enjeu est important, l'enjeu est de taille. Il s'agit pour l'une comme pour l'autre des sélections de trouver, d'acquérir une place sur un podium africain.
ce qui ne leur était jamais arrivé. On travaille les bases, on travaille les fondamentaux, on refait ses gammes. Ce match donc pour la médaille de bronze, pour le podium. Va démarrer dans quelques instants dans cette belle salle du Cairo Stadium. Les deux équipes qui vont regagner leur banc pour recevoir les dernière consigne des différents staffs pour savoir aussi qui est titulaire, qui commence ce match. C'est très important de bien commencer le match. D'une manière générale, ce sont les titulaires, ce sont les meilleurs joueurs qui commencent le match. Et dans quelques instants, vous saurez quels sont les joueurs qui vont débuter cette rencontre. Rencontre importantissime, je le rappelle, pour l'accession au podium, pour l'accession à une belle médaille de bronze. L'Algérie va-t-elle faire coup double ou le Tchad va-t-il déjouer tous les pronostics? Rendez-vous dans 40 minutes ou plus en cas de prolongation. Allez, ça va partir d'un instant à l'autre. L'entre-deux. Ballon gagné par les Algériens. Alors, pour les Tchadiens, Abdelkerim, Caleb Ndingue, Dignan Elvis, Hassan Koslinga et Yamtembay Manouna sont les titulaires, sont les joueurs qui commencent ce match. Du côté algérien, Zakaria Abdelwahad, Younes Beljilali, Adam Bouzidi, Marz Karabi et Zakaria Kodja, le playmaker, sont les joueurs titulaires qui commencent ce match. C'est un premier tir manqué par Koslingar, les Algériens qui repartent. Toujours 0-0 dans ce match hein, qui est parti moyennement. Koslingar. Le Koslingar qui va perdre ce ballon. Kodja à la manœuvre pour les Algériens. Kodja toujours dans cette tentative de drive, tir extérieur, rebond long, capté par les Tchadiens, on se bat comme on peut pour essayer de sauver ce ballon.
les Tchadiens. Manuna Koslingar. Le ballon perdu de nouveau. Bien volé par Karoubi. Et ce sera une faute de Caleb Ndingue. Lancé franc pour les Algériens, Younes Beljilali, qui réussit son premier lancé. Et les Tchadiens qui ont déjà commencé les rotations. Sabaldi qui est rentré à la place de Dignan Elvis. Beljilali, 2 sur 2. Sabaldi qui perd le ballon, bien volé par Adam Bouzidi. Zakaria Kodja qui réussit ses deux premiers points du match. Allez, Kodja. Le shoot de Karibi. Karabi est manqué. Et dans la foulée, c'est un dunk de Caleb Ndingue sur une belle passe de Yamtembay Manuna. Le jump shot de Zakaria Kodja est manqué. Les Algériens qui pour l'instant sont devant, 8 à 2. Et nouveau lay-up réussi par Zakaria Kodja, 10-2 pour l'Algérie. Attention, rebond défensif de Karabi. Mais Karabi s'est fait mal. De peur que de mal, même s'il est obligé de sortir. Khalil Amimer qui va remplacer Marz Karabi. J'espère pour lui que ce ne soit rien de bien fâcheux. Allez, ça repart. Bouzidi, Kodja qui est quasiment pris en boîte. Le ballon intercepté par Caleb Ndingue. Koslinga et Adam Bouzidi, voilà, tranquillement, qui inscrit 2 points sur une belle passe de Younes Beljilali. Ça commence à faire beaucoup, 12-2 plus 10 pour les Algériens dans ce premier carton. Le shoot à 3 points est manqué par Abdelkerim Kodja. Kodja dans ses œuvres. Bouzid, Beljilali, Koslingar qui était sur la trajectoire de passe qui intercepte ce ballon. Allez, on fait circuler le ballon. Kodja qui manque les manquables, il a tenté un geste trop compliqué. Et de la main gauche en plus. Rebond défensif d'Ndingue.
On va essayer de travailler. Koslingar en poste bas. Koslingar qui perd le ballon. Kodja à la relance. Belgilali qui manque son lay-up. Mais le ballon sortira en faveur des Algériens. Qui ont pris le match en tout cas par le bon bout. Les Tchadiens défendent homme à homme. Sont très agressifs. Marché. Marché sifflé contre Belgilali. Et on est reparti par Sabaldi. Sabaldi, l'écran de Koslingar, le rôle derrière. Le ballon va transiter sur l'aile. C'est une faute sifflée contre Khalil Amimer. Et Caleb Andigué va faire un tour sur la ligne de lancer franc. Deux lancers francs à venir pour le jeune Caleb Andigué. Le premier converti. Les Tchadiennes aussi qui supportent leurs hommes, ça c'est très bien, ça met un peu d'ambiance dans cette salle parce que nous devons vous le rappeler, les matchs se jouent à huis clos, c'est une bulle au Caire, protocole Covid oblige. 1 sur 2 pour Andingué, le rebond récupéré par Lawa Abbas, le layback manqué, le rebond de Koslingar qui est manqué, il se bat avec ses grands compas. Caleb Andingué qui se bat lui aussi. Lawa Abbas, c'est un jump ball entre deux finalement. Et le ballon qui revient aux Algériens. Ça s'est bien bagarré en tout cas sous les panneaux. Bouzid, le joueur de l'Asvel. Kodja. Le dribble dans le dos. Kodja. Kodja dans ses œuvres. Pas loin de perdre le ballon. Amimer. Et finalement, ils s'en sortent très bien, les Algériens, avec ce jump hook d'Abdel Wahad. Abdel Kerim. Le ballon lui revient. Caleb Andingué. La belle prise de position préférentielle. Le panier avec le lancer bonus. Très belle prise de position préférentielle de la part de Caleb Andingué. ...14-5... pour les Algériens dans ce premier quart-temps. 2:40 à jouer. Le lancer bonus est réussi par Caleb Andingué et c'est Mehdi Gherbi qui est rentré à la place de Khalil Amimer. Le petit shoot à deux points qui trouve l'amir Younes Belgilali. Deux points pour lui et 16-6 pour l'Algérie. Koslingar. Caleb Andingué. Sur cette passe de Sabaldi. Kodja dans ses œuvres. Kodja, le petit flotteur. Au-dessus de la tête du grand Koslingar. Techniquement, c'est très bien exécuté de la part de Zakaria Kodja. Caleb Andingué. Lawa Abbas. Le petit shoot d'Abdelkerim manqué. Rebond de Lawa Abbas. Finalement, les Algériens perdent le ballon. Possession des 24. La contre-attaque. Une contre-attaque d'école avec Adam Bouzidi qui inscrit deux points.
sur une belle passe de Zakaria Kodja. Cette tentative de drive avortée, mais Lawa Abbas obtiendra le lancer franc. Faute de Younes Belgilali. Et ce sera un temps mort. Temps mort pris par les Tchadiens, l'équipe de Manuel Asro. On va essayer de prodiguer quelques consignes. Et déjà, on a Zakaria Kodja dans ses œuvres. 6 points. 6 points pour Adam Bouzidi aussi, son compère de la base arrière. Côté tchadien, les 8 points n'ont été inscrits que par un seul homme, Caleb Andingue. Il va falloir corriger tout ça si les tchadiens veulent entrer dans l'histoire de leur basket, dans l'histoire du basket africain aussi d'ailleurs, en remportant ce match pour la médaille de bronze. Allez, Lawa Abbas sur la ligne de lancer franc. Premier lancer manqué. Zéro sur deux pour Lawa Abbas. Rebond très bien sécurisé par Abdelwahad. Kodja, Abdelwahad, que c'est bien fait, du jeu à deux classique, mais d'une efficacité redoutable. Caleb Andingue, le ballon qui va lui revenir en poste bas, ou la reprise de dribble, il s'était un peu oublié, Caleb Andingue, et c'est un ballon perdu au détriment des Tchadiens. Zakaria Kodja, qui est défendu par Sabaldi, Kodja. L'écran d'Abdelwahad. Un nouvel écran d'Abdelwahad, Kodja, 3 points. Il est court, le rebond. Rebond tchadien. Et Abdelwahad qui va passer sur la ligne de lancer franc. Faute de Tao Djouamad Sabaldi. Abdelwahad au lancer franc. Premier manqué. Un sur deux pour Zakaria Abdelwahad. Les Tchadiens, la relance. Koslinga, les Algériens en défense haute. Lawa Abbas, nouvelle tentative de percussion et il obtient une faute. Remise en jeu latérale, remise en jeu en ligne de fond. Koslinga, Sabaldi, Lawa Abbas. Lawa Abbas, que c'est compliqué, Rebond Abdelwahad, Bouzidi. Oh, ça c'est bien fait, mais le flotteur est contré par Koslingar. Pour finir ce carton, carton en faveur des Algériens qui mènent sur le score de 23 à 8. 8 points qui ont été marqués par le seul Caleb Andingue. Il va falloir que les Tchadiens reviennent à des choses beaucoup plus simples. On a vu du jeu un peu brouillon. On a vu justement Lawa Abbas partir tout seul dans des raids
un peu compliqué pour lui. Et on a vu aussi quelques ballons perdus. Ce qui peut s'avérer rédhibitoire dans cette quête de la troisième place. Les Tchadiens qui ont déjà perdu 10 ballons en un carton. Tandis que les Algériens n'en ont perdu que 4. Abdelouad, 5 points. Beljilali, 4 points. Bouzidi, 6 points. Côté tchadien, on l'a dit, Andingué, 8 points, les 8 points tchadiens. Il va falloir rectifier la mire. Allez, on va repartir pour le deuxième carton. Les Tchadiens repartent avec Abdelkerim, Ondingue, Digna Elvis, Koslingar et Manouna. Pour les Algériens, Abdelouad, Beljilali, Bouzidi, Gerbi et Yayatine. Bouzidi qui fait office de meneur le temps que Kodja puisse souffler. Yayatène qui est contré par les longs compas de Koslingar. La relance pour les Tchadiens, mais la passe est mal assurée. 11e ballon perdu par les Sao du Tchad. Mise en jeu, Beljilali. Beljilali qui va monter le ballon. Attention, Abdelouad en relais. C'est bien fait. Abdelouad qui marque 2 points sur une belle passe de Yayatène. Andingué, Digna Elvis, Koslingar qui va travailler. Attention aux appuis. Koslingar, il est court. Bouzidi en contre-attaque. Et c'est Gerbi qui termine avec sa belle main gauche. C'était Naël Yayatène d'ailleurs, avec sa belle technicité, main gauche. Le ballon à l'intérieur pour Caleb Ondingué, qui obtiendra la faute. Nouveau temps mort, cette fois-ci pour les Tchadiens. Zéro point inscrit depuis le départ de ce deuxième carton. Le coach qui va essayer de prodiguer quelques consignes à ses joueurs. Les choses ne sont pas simples sur ce match. Les Algériens pour l'instant l'ont vraiment pris par le bon bout. Aux hommes de Riyad Chitou, il faut continuer de bien jouer, continuer d'assurer. D'ailleurs, ce match permet à Zakaria Kodja de souffler sur le banc. Hier, il a quasiment joué 40 minutes et cela n'est pas plus mal pour ces jeunes organismes, dans toutes les équipes d'ailleurs. Digna Elvis. Le ballon pour Koslingar. Ce sera une faute. Une faute en faveur de Caleb Ondingué. Il a l'occasion de marquer ses 9e et 10e points. Lui qui pour l'instant est le seul à avoir inscrit des points
dans l'équipe du Tchad. Et de neuf pour Caleb Ndingue. Ça fait 10 points pour Caleb Ndingue. Pressing tout terrain tout de suite de la part des Tchadiens. Mais les Algériens arrivent à s'en sortir. Abdelouad. Attention. Le ballon sera sécurisé. Bouzidi. Bouzidi à 3 points. Il est court. Garbi a essayé de se battre. Mais le ballon sort en faveur des Tchadiens. Manouna. Allez, Bouzidi qui sort. Kodja qui revient après avoir soufflé quelques instants. Nouveau duel à voir entre Kodja et Manouna. Manouna. Très bien fait ce jump shot tout en extension de Yam Tembay Manouna. 12 points pour les Tchadiens. Beljilali, la fin de passe. Ça aussi, c'est très fort techniquement. De Younes Beljilali. Manouna. Digne Elvis. Koslenga. Les deux numéros 14. Koslenga contre Abdelouad. Il ressort le ballon. On continue de faire tourner. Digne Elvis à 2 points. Ça ne rentre pas. Le rebond ne sera pas sécurisé par Gerbi. Et le ballon sera tchadien. Manouna. Manouna qui a mis le pied en touche. C'est un nouveau ballon perdu en défaveur des Tchadiens. Zakaria Kodja, défendu par Digne Elvis. Un match dans le match. Kodja. Kodja dans ses heures. Et Kodja qui réussit son flotteur. Malgré la petite charge de Digne Elvis au passage. Kodja qui continue d'affoler les compteurs pour ses statistiques personnelles. Ndingue. Koslengar, Koslengar Ndingue et 2 points de Caleb Ndingue. Kodja, Beljilali. Le ballon dans le corner pour Gerbi. Beljilali, attention à ce départ en dribble. Fini par perdre le ballon, Younes Beljilali. Ah, la tentative de layup de Manouna est avortée, mais il obtiendra, il bénéficiera de la faute de Zakaria Kodja. Yam Tembay, Manouna au lancer franc. Premier, beaucoup trop long. Faut éviter d'en laisser en route. Ça peut s'avérer préjudiciable sur la fin. Et le deuxième, copie conforme. Il récupère néanmoins son rebond. La percussion de Digne Elvis est vouée à l'échec. Il se bat pour essayer de piquer ce ballon. Mais Kodja maîtrise tout. Kodja place son attaque. L'écran d'Abdelouad. Abdelouad dans la peinture qui reçoit le ballon. Qui a essayé de trouver Mehdi Gerbi. Gerbi qui a pris un petit coup au passage. Abdelouad qui a été un peu trop collectif hein, sur cette action. Il avait le panier ouvert. Beljilali.
Il y a une boîte, hein. Il y a une boîte de Digne Elvi sur Kodja, Beldjilali, le ballon est perdu. C'est peut-être la solution, c'est peut-être la solution. Empêcher Zakaria Kodja de jouer pour créer du danger, créer de la perturbation dans le jeu offensif des Algériens. Kodja qui est d'ailleurs coupable de cette faute sur Digne Elvi. C'est Manouna qui est au sol. J'ai aperçu Elvis, Digne Elvi avec son numéro 6. C'est Yam Tembay Manouna qui est au sol. Une mauvaise réception suite à une poussette de Zakaria Kodja. Espérons pour lui qu'il y ait plus de peur que de mal. Il se relève. Une boîte très bas. Manouna touché. Qui va sortir pour recevoir des soins appropriés. Et c'est le remplaçant, logiquement, qui doit tirer les lancers francs. Si remplacement il y a. Alors, c'est Mahamad Tahir donc qui devrait shooter les lancers francs, le numéro 15. Voilà. Oh, yay, yay. Très très court. Très très court ce lancer franc de Tahir. Le deuxième aussi est manqué. Et Tahir. Non, c'est Koslingar qui va commettre une faute. Une faute. Sur le rebond. Kodja. Kodja, pas loin de perdre ce ballon dans son duel avec Digne Elvi. Qui ressort le ballon, Yayaten, Karabi, qui va mieux, mais qui manque son tir à 3 points, et Digne Elvi. Abdelkerim, et qui finit par perdre ce ballon, Kodja, Kodja, qui parcourt tout le terrain, qui va ressortir le ballon, Yayaten. Qu'est-ce que c'est bien fait. Techniquement, c'est très bien fait de la part de Naël Yayaten, joueur de Lille Métropole en France. Naël Yayaten, techniquement, c'était parfait. Caleb Andigué, nouvelle faute de Zakaria Kodja. Et c'est sa troisième, attention. Attention, troisième faute de Zakaria Kodja. Ce qui est loin d'être une bonne nouvelle pour la sélection algérienne là. Et d'ailleurs, Riyad Chetou n'a pas manqué de le lui faire savoir. Et les Algériens étant dans la pénalité, il y a donc deux lancers francs pour l'équipe tchadienne. Caleb Andingué sur la ligne. Le premier converti, 13 points pour Caleb Andingué, meilleur marqueur du match pour l'instant. Le deuxième aussi. 33-16. Yayaten qui prend l'écran. Et il est contré, Karabi par Caleb Andingué, le tir à 3 points trop court de Manouna. Et Bouzidi qui va chercher et même trouver deux lancers francs, Naël Lekfir pardon, qui va chercher et trouver deux lancers francs. Le premier, très court.
deuxième de Lekfir. Réussi. 34 à 16 en faveur de l'Algérie. Caleb Ondingue, Koslenga. Le ballon qui sort en faveur des Tchadiens. Les Algériens sont quasiment en small ball. Tir à 3 points qui ne rentre pas. Le rebond sécurisé par Ondingue. Allez, on s'échange les ballons. Ça, c'était compliqué. C'était compliqué là, ce qu'a tenté Dignan Elvis. Les Algériens qui, à leur tour, perdent le ballon. Dignan Elvis, défendu par Yaya Ten. Koslenga, ah ça c'est un très bon mouvement sur le post-up de Koslenga qui fait une fin de départ à gauche, qui se retourne en spin move sur sa droite pour finir avec la planche. Techniquement c'était très bien fait, du jeu intérieur comme on les aime. Ce tir est manqué. Koslenga encore au contre. Karabi à 3 points, ça ne rentre pas. Mahamat Tahir, rebond défensif et qui provoque une faute. Après le rebond, malheureusement, commet une violation. Tahir, Karabi qui arrose à 3 points. Le tir de Gerbi est manqué. Dignan Elvis. Le ballon qui ressort à 3 points. Ah, il n'est pas récompensé là. Il n'est pas récompensé. Caleb Ondingue. Vous y dites. Là, il y a Ten. Le ballon qui circule bien côté algérien. Encore et encore, hein, qui use et qui abuse de 2-3 points. Karabi, Dignan Elvis, qui perd le ballon. Bouzidi dans la peinture. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Sami Ayous avec sa petite main gauche, qui rajoute deux nouveaux points pour l'Algérie, qui a pris les commandes de ce match. Dignan Elvis, le ballon à l'intérieur pour Koslenga qui est court. Mahamat essaye de se battre, Fekir, ça ne passe pas. La belle passe de transition, oh, oh, oh. Le scotch de Caleb Ondingue. Marché de Mars Karabi. Ça sera un nouveau temps mort. Et c'est un temps mort cette fois-ci demandé par la sélection algérienne. 36 à 18. Voilà, on passe du simple au double quasiment en faveur de l'Algérie dans cette finale pour la troisième place, la petite finale comme on dit communément. Les Algériens qui sont privés de Youssef Bouzid, blessé hier au poignet, et qu'on a entreaperçu avec le bras en écharpe, mais qui ont de la matière en tout cas pour s'octroyer cette médaille de bronze après leur troisième participation au championnat d'Afrique U16 garçons. Eux qui étaient présents en 2009 et en 2011, mais qu'on n'a plus revu depuis. Une 18 à jouer, le jeu qui va repartir.
Bahama Tahir a cédé sa place à Lawa Abbas, qui manifestement va mieux. Et c'est Dini Elvis qui mène le jeu. Lawa Abbas. Koslinga qui a fait un dribble, qui l'emprisonne un tout petit peu. Le relais avec Andingue. Koslinga. Koslinga qui va provoquer la faute de Marz Karabi. De nouveau lancé franc pour Hassan Koslinga. Le premier lancé franc est converti. Koslinga qui manque le second. Le ballon est récupéré par Lawa Abbas. Dini Elvis. Koslinga à 3 points. Qui est un peu sorti de son registre là. Yayaten. Karabi. Oh, l'interception de Koslinga. Qui manque son lay-up. Caleb Andingue qui manque aussi son tir. Le ballon qui ressort à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Ce tir d'Abdelkerim. Pas loin de perdre ce ballon, Karabi. Finalement, les Algériens s'en sortent très très bien. Avec ce ballon qui sort des limites du terrain. Pour une remise en jeu algérienne. Younes Beljilali rentre à la place de Mehdi Gherbi. Yayaten, bien fait, Beljilali. Yayaten à 3 points. Yayaten, non, le rebond sera. Et ce sera la fin de ce deuxième quart-temps. C'est la mi-temps. Sur le score de 36 à 19. Un match dominé de bout en bout par l'équipe algérienne sous la houlette de Zakaria Kodja. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Kodja a 3 fautes. Et ça risque d'être compliqué pour la seconde mi-temps. Va-t-on prendre le risque de le remettre d'entrée ou va-t-on le gérer? Voilà, ça sera toute la problématique de la seconde mi-temps qui arrive. Et nous, on vous dit à tout de suite.
Nous sommes de retour dans ce Cairo Stadium pour ce match opposant le Tchad à l'Algérie pour la troisième place, la petite finale, deuxième petite finale de la journée. Le score est de 36 à 19 en faveur de l'Algérie. Les Algériens qui ont été très adroits, 61% de réussite. Les Tchadiens qui ont beaucoup raté. Au rebond défensif, 12-15 en faveur de l'Algérie, c'est assez équilibré. Les Tchadiens sont en avance sur le rebond offensif, 12-6, mais ils perdent beaucoup de ballons. En revanche, Koslingar est déjà à 4 contre, 18 ballons perdus pour les Tchadiens. Voilà les choses qu'il va falloir régler. 18 minutes passées en tête, les deux premières minutes ont été difficiles de part et d'autre. Et depuis, les Algériens ont pris le lead de la rencontre en ayant passé 18 minutes en menant au score. La difficulté pour les Algériens, ça va être la gestion de leur métronome, Zakaria Kodja. Zakaria Kodja qui est à 3 fautes personnelles. On sait que c'est lui hein, le meilleur joueur de cette équipe algérienne. Comment le gérer? On le fait repartir d'entrée. On le laisse souffler pour le remettre, pour éviter qu'il commette rapidement sa quatrième. Ça va être tout le dilemme à régler pour cette équipe algérienne. Mais on l'a vu hein, avec Abdelwahad, avec Beljilali, Bouzidi, Yaya Ten, cette équipe a de quoi faire. En revanche, du côté tchadien, il va falloir que la marque puisse se diversifier. Caleb Andigué est à 14 points et puis plus rien pour les autres. Koslingar 3 points et 2 points pour Yemtembay Manouna. Il va falloir diversifier les joueurs au scoring, sinon cette médaille de bronze risque de leur passer sous le nez. Les dernières consignes de part et d'autre et on va repartir du côté tchadien avec Abdelkerim, Andingué, Dinya Elvis, Koslingar et Lawa Abbas. Côté algérien, Ayous qui repart, Beljilali, Bouzidi, Karabi et Naël Yaya Ten. Voilà les 2-5 qui vont entamer ce troisième carton de cette petite finale. La remise en jeu est tchadienne. Il faut rentrer le maillot dans le short. Dans le short, pardon. C'est le règlement. Il faut être beau sur un terrain de basket, jeunes gens. Et ça va partir. Lawa Abbas. Caleb tout de suite qui va chercher le contact et qui obtient une faute. La faute de Karabi. Karabi qui est vraiment loin de sa forme d'hier. Même s'il a eu beaucoup de gâchis à 3 points, il a été très présent sur les rebonds, sur les drives. Et Caleb qui continue son chantier. 15e point pour lui. Meilleur marqueur de la rencontre. Allez, Bandingué, 2 sur 2, 16 points. Et les Tchadiens qui grignotent. Défense haute, pressing, tout terrain. On va essayer d'empêcher la remise en jeu, mais c'est Bouzidi. Bouzidi qui annonce le système. Yaya Ten. Interception de Koslingar. Tranquillement, qui va déposer ce lay-up pour ramener encore un peu plus les Tchadiens dans le match. Beljilali.
Abdelwahad. Le tir de Bouzidi. Abdelwahad au rebond. Le rebond est tchadien. Abdelkerim. Dina Elvis. Ndingue. Ndingue dans ses œufs face à Karabi. Ça c'est bien fait. Le ballon qui ressort à 3 points. Enfin un peu d'adresse longue distance pour Abdelkerim. Désormais moins 10 pour les Tchadiens qui refont petit à petit leur retard. Un troisième carton commencé sous de très bons auspices. Karabi pour l'Algérie. Karabi à 3 points. Airball. Trois attaques complètement gâchées, mal jouées pour les Algériens qui sont orphelins hein, de Zakaria Kodja, auteur de trois fautes et qui est obligé de rester sur le banc. Dina Elvis qui ressort, Ndingue. Ndingue, turnaround jump shot, très court. Yaya Ten. Dans le corner, le ballon qui va ressortir à 3 points. Ça ne rentre pas. On se bat au rebond. Et la possession sera pour... Alors, on va calmer tout ça. Deloitte qui s'était bien battu au rebond. Et la possession sera... algérienne. Remise en jeu par Beljilali. Quel oubli défensif de Koslingar qui est sanctionné immédiatement par Marz Karabi. Dina Elvis. Dina Elvis qui va trouver Lawa Abbas. Ça c'est difficile ce qu'a tenté Ndingue là. Bouzidi. Bouzidi. Karabi. Karabi, Bouzidi sur le backdoor. La petite passe pour Abdelwahad. Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. La passe dans le dos d'Adam Bouzidi et Abdelwahad qui convertit l'offrande. Le passé va avec Dina Elvis. Gêné aux entournures par Adam Bouzidi qui commet la faute. Temps mort tchadien. Les Algériens ayant repris un petit peu d'air, on arrête tout ça côté tchadien pour repasser quelques consignes à l'équipe. Cette équipe était revenue à 10 points et qui voit l'Algérie repartir de l'avant. Le tour en l'absence de Zakaria Kodja, le playmaker. Match important, il y a une médaille de bronze à aller chercher pour l'une comme pour l'autre équipe. Alors les coachs ont besoin que tout le monde soit impliqué, que tout le monde puisse apporter son écho dans cette lutte pour le podium entre l'Algérie et le Tchad. 40 à 26. Koslinga pour la remise en jeu. Dina Elvis qui ne peut pas contrôler ce ballon. Et c'est une nouvelle munition de gâcher pour les Tchadiens. Défense haute, pressing. Abdelkerim sur Bouzidi. Yaya Ten, Karabi. Beljilali. Beljilali, Karabi. Karabi, shoot compliqué. Abdelwahad qui a essayé le rebond, mais ça n'a pas marché. Ndingue. Dina Elvis.
Abdelkerim Koslinga qui va essayer de travailler. Et c'est une nouvelle faute cette fois-ci. C'est une faute d'Adam Bouzidi. Attention à Bouzidi aussi. Au niveau des fautes, c'est le deuxième playmaker de cette équipe. Abdelkerim. Koslinga. La position préférentielle. 3 secondes dans la raquette. Commise par Randingue. Yaya Ten qui montre le ballon. Bouzidi est pris en boîte par Dina Elvis. Bouzidi qui finalement réussit par avoir le ballon. Karabi. Beljilali. Ça tourne. Yaya Ten. Yaya Ten qui a vu le petit trou. La petite passe pour Karabi. Une extra passe pour Abdelwad. Qu'est-ce que c'est bien fait! Qu'est-ce que c'est bien fait? Une attaque très bien construite. Et l'Algérie qui s'écarte encore un peu plus. 42 à 26. Malheureusement pour eux, pour les Algériens, Karabi qui commet une nouvelle faute sur la prise de position de Caleb Andingue. Allez, on essaie de mettre un peu d'ordre là, dans ce palais des sports du Caire. Les Algériens sont dans la pénalité. Raison pour laquelle Andingue se trouve sur la ligne de lancer franc. Les joueuses de chaque sélection supportent les joueurs, leurs joueurs respectifs, et ça donne un peu d'ambiance dans cette salle du Cairo Stadium. Andingue. Très très court. Yaya Ten. Nael Yaya Ten qui essaie de donner le ballon à Gerbi, mais c'était du petit jeu. Gerbi qui est entré à la place de Karabi. Lui aussi. Il y a des problèmes de foot. Dina Elvis. Voilà, de la mobilité dans le jeu tchadien, ça ouvre des brèches. Dina Elbis avec la faute. 2 points plus le lancer franc à venir pour Dina Elbis. C'est une nouvelle faute de Bouzidi qui, à mon avis, doit en être à 3 aussi. Pris par le premier pas, la vitesse de jambe de Dina Elbis. Adam Bouzidi et Zakaria Kodja is back. Kodja est de retour. À lui de se montrer très intelligent, de savoir gérer ses ardeurs sur le plan défensif. Offensivement, on sait qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà, il se signale tout de suite dès son entrée en jeu. Zakaria Kodja avec son flotteur. Flotteur dont il a le secret et il inscrit ses 10e point de la rencontre. Caleb Andingue qui manque son tir. Koslinga qui a essayé de se battre mais qui a mis le pied en touche et le ballon sera pour l'Algérie qui petit à petit est en train de poser son empreinte sur le match. Zakaria Kodja, défendu par Dina Elvis. Kodja. Kodja qui appelle l'écran de Gerbi, qui ne l'obtient pas, qui force un peu. Et qui va provoquer la faute de Dina Elvis. Remise en jeu en ligne de fond.
Koja à 3 points avec cette trajectoire très curviligne. Mais le ballon qui ricoche sur l'arceau et les Tchadiens qui sont à la relance. Abdelkerim, attention, attention, qui c'est qui commet cette faute? Il y avait Koja pas loin en tout cas. C'est une faute de Beljilali. Digne Elvi se lancer. Le premier converti. Deux sur deux. Beljilali. Koja. Toujours avec Assebas, Digne Elvi, Koja. Démarquage. Gaïaten. Garbi. Garbi qui va avoir du mal. Et le ballon lui est chippé. Beljilali qui est revenu à toute berzingue pour essayer d'arrêter cette contre-attaque. Et à la rescousse, Caleb Ondingue. Qui inscrit deux nouveaux points sur ce ballon volé par Lawa Abbas. Zakaria Koja. L'écran de Gerbi. Il part à l'opposé. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait encore une fois techniquement. C'est une faute d'Hassan Koslengar. Et Koja au lancer franc. Premier lancer franc, réussi avec un peu de réussite, mais il en faut. Le deuxième, toujours en cloche, 2 sur 2 pour Zakaria Koja. 12 points à son actif. Dignan Elvis pour relancer le jeu tchadien. Dans la peinture, Caleb Ondingue qui manque. Et le petit Digne Elvis qui vient faire cette claquette en faveur des Tchadiens. La belle passe de Koja. Abdelouad qui est rentré. Koja tout seul qui ressort le ballon pour Yayaten. Ça c'est pas mal fait. Abdelouad. Violation des 24 secondes. Le tir de Zakaria Abdelouad ne touche pas l'arceau. Donc on est en violation des 24 secondes. Et ça sera à nouveau un temps mort. Les Tchadiens qui reviennent à moins 11. Une remontée due à une bonne défense. Une défense de boîte sur les leaders de l'équipe algérienne. Sur Koja. Et sur Bouzidi avant sa sortie. Koja pour l'instant reste bien sage avec ses trois fautes. Bouzidi aussi et à trois fautes. Ce sont les deux playmakers de cette équipe. Ce qui peut être un poil difficile pour cette équipe algérienne. ...46-35... ...11 points d'écart... ...3 secondes... ...8 centièmes à jouer... ...et un gros 4e carton à venir... ...autant dire que tout est encore possible... ...pour la sélection tchadienne... ...tout est encore possible... ...à condition de bien faire les choses... ...Digne Elvis... ...Caleb Ondingue pour la remise en jeu... ...le ballon est perdu... Oh là 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 là. Très belle défense de Younes Beljilali. Et qui score derrière. Et encore Caleb Ondingue. Au four et au moulin. Zakaria Koja. Défendu cette fois-ci par Lawa Abbas. Koja Abbas. Le duel.
Il appelle l'écran de Gerbi, il obtient la fin de passe, le ballon qui va lui revenir, et une faute largement évitable, encore une fois, de Digne Elvis. On n'avait pas besoin, cette faute sur Lekfir. Mise en jeu. C'est Beljilali qui va s'y coller. Non. Finalement, ce sera Lefkir. Abdelwad, le ballon qui ressort. Le tir de Beljilali est manqué. Andingue qui pose le pied en touche. Et c'est une sortie de balle pour l'Algérie. Beljilali, Kodja. Kodja, la fin de départ à droite, le départ à gauche. Le ballon qui ressort bien. Yaya Ten. Il est contré par Koslingar. Le ballon est volé. Digne Elvis qui obtiendra deux lancers francs. Suite à cette faute de Beljilali, il n'y aura pas le panier avec. Mais il y a deux lancers francs pour Digne Elvis. Koslingar qui est très 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 précieux au contre avec son envergure. C'est une faute antisportive qui a été sifflée contre Younes Beljilali. Et donc deux lancers à venir et la possession du ballon pour le Tchad. Zéro sur deux à ce moment-là du match. Ce sont des munitions gâchées. Koslingar pour la remise en jeu. Digne Elvis. Le ballon à l'intérieur pour Caleb. Et une nouvelle faute. Faute commise par Lefkir. Quel joueur. Andingue Caleb. Caleb au lancer franc. Le premier. Et réussi. 21 points pour Caleb Andingue. Le 22e point, meilleur marqueur absolu de la rencontre. 22 points pour Caleb Andingue. Le Tchad qui repasse sous la barre des 10 points. Les officiels qui essayent de faire les choses dans les règles. Le jeu est arrêté, conciliabule entre Monsieur Hussein Gamal, l'Égyptien, et Sylvain Rongbeji, le Béninois. Et le jeu va pouvoir reprendre. Avec une remise en jeu latérale. Remise en jeu ligne de fond. Dans les mains de Beljilali. Légère attente hein, pour que tout soit parfait, que les conditions soient réunies pour que la partie puisse reprendre.
aussi avec la table de marque. Alors, que s'est-il passé? Nouveau conciliabule entre Monsieur Ungeji et Monsieur Gamal. Il y a un officiel qui n'est pas à sa place, certainement. Un officiel avec un survêtement égyptien qui n'est, semble-t-il, pas à sa place. Cette place est réservée aux délégués. L'opérateur des 24 secondes qui n'était pas très visible, qui le sera désormais. Voilà. Histoire de ne pas fausser le jeu. Allez, on fait un peu le ménage là. On est allé chercher un câble. Certainement, il ne marchait pas bien. Un câble d'alimentation. Voilà, il faut que tout soit parfait sur ce match. Autant perdre quelques instants pour que le match se termine dans de bonnes conditions. Ce qui éviterait toute contestation, d'où qu'elle vienne. Après ce match, vous aurez droit à la première finale de la journée. Première vraie finale. Là, nous sommes en train d'achever la deuxième petite finale. C'est la première finale qui va opposer les Maliennes, championnes en titre, multiples fois championnes en titre, aux Égyptiennes qui ont envie de mettre un terme à l'hégémonie malienne dans la catégorie U16 dames. La partie va enfin pouvoir reprendre. Belgilali qui attend patiemment que le ballon lui soit remis par Monsieur Ngbeji. C'est le règlement, les arbitres doivent veiller à ce que le match se déroule dans les meilleures conditions. C'est une interruption qui a tendance à refroidir un tant soit peu les joueurs, mais à eux de rester concentrés, à eux de rester dedans. Focus. Un arrêt qui se prolonge. Tamor arbitre a accordé du coup aux deux équipes qui vont pouvoir se réorganiser. Les techniciens puissent remettre les choses dans le bon état des marches. Le buzzer a retenti. Est-ce le buzzer des 24 ou le buzzer du chrono officiel? Allez, on va pouvoir repartir sous de bons auspices. Dans de très bonnes conditions.
les Tchadiens qui sont revenus à moins de 10 points, les Algériens. Beljilali, la remise en jeu, et tout repart de plus belle. Kodja qui accélère. Kodja, le spin move, la petite passe. Le ballon est perdu. Et nouveau ballon perdu par les Tchadiens qui gaspille les munitions. Kodja qui est défendu par Lawa Abbas. L'écran de Gerbi, Kodja qui ressort le ballon. Mais incompréhension entre Kodja et Lefkir. Lefkir, du coup, va regagner le banc. Certainement déçu. Yayaten qui est rentré. Lawa Abbas. Caleb Andingue. Et ce sera une nouvelle faute pour Caleb Andingue. Et un nouveau passage sur la ligne de lancer franc. Faute commise par Khalil Amimer. Dans le jargon, le ballon ne lui est pas sorti des mains. Airball, lancé franc. Ça peut arriver, même au meilleur. On l'a vu avec un certain Yanis Antetokounmpo en NBA. Et le deuxième est converti. Ficelle. Remise en jeu, Kodja. Plus 8 pour les Algériens. Les Tchadiens sont complètement revenus dans le match. Le ballon dans le corner, Yayaten à 3 points, manqué. Abdelouad au rebond. Le ballon qui ressort, Kodja. Le mismatch avec Oslingar, le passage en ligne de fond. C'est un pied tchadien qui sort le ballon. Et on remet le chrono à 14 secondes de possession pour les Algériens, Kodja. Ouh, il est dur ce tir, il est dur. Ce tir de Yayaten et Digne Elvis qui peut permettre à sa formation de se rapprocher davantage. Koslingar, position préférentielle. Chute manquée de Koslingar. Le ballon perdu par Kodja. Les Tchadiens, Digne Elvis. Et le ballon est manqué par Abdelkarim. Kodja, voilà, qui va se calmer. L'entraîneur, le coach, lui, indique le temps restant à jouer. Voilà, il va falloir terminer cette action en prenant un tir au buzzer qui ne rentre pas. Mais c'est un moindre mal pour cette sélection algérienne qui finalement regagne son banc à la fin de ce troisième quart-temps avec 8 points d'avance. Soit 3 possessions. Une équipe d'Algérie qui est vraiment dans la difficulté cet après-midi. Loin de l'équipe qu'on a vue, assez fluide, même si elle a perdu contre le Mali. C'était une équipe avec un basket un peu mieux léché. Un basket assez fluide. Les Tchadiens, en revanche, ils jouent avec leurs armes. Ils jouent surtout avec un cœur gros comme ça. Ils se battent sur tous les ballons. Et puis, on a un Caleb Andingue de gala. 23 points. Et 8 rebonds. Voilà. 23 points à 6 sur 13 et 8 rebonds en 30 minutes de jouer. Va-t-il maintenir son standing jusqu'à la fin ? Parce que là aussi, on le sait, il n'est quasiment pas sorti du match. Peut-être aura-t-il besoin de souffler.
ou alors va-t-il se dépasser dans l'optique de cette médaille qu'il y a au bout de cette rencontre? Nous le saurons dans 10 minutes, ou peut-être plus, en cas de prolongation. Le ballon sera tchadien, avec remise en jeu pour Lawa Abbas. Attention, Abdelkerim, Digna Elvis, le tir est manqué, le tir d'Andingue est manqué, Kodja, il y a un 54 à jouer, le temps que Digna Elvis revienne, il est revenu, attention à ce mismatch, Koslingar qui sort loin pour défendre sur un joueur beaucoup plus rapide, et c'est Kodja. Voilà, dans ses œuvres, qui va provoquer la faute de Caleb Andingue. Zakaria Kodja sur la ligne. Premier lancé manqué. Le deuxième converti, plus 9, 3 possessions en faveur des Algériens. Abdelkerim, Vivian Elvis, Lawa Abbas, Koslingar qui trouve Caleb Andingue, mais violation des 3 secondes. 3 secondes dans la raquette. Ce sont des munitions de gâchées par cette jeune équipe tchadienne, alors qu'elle avait l'occasion de se rapprocher davantage. Kodja, Zakaria Kodja, Lawa Abbas, match dans le match. L'écran de Karabi, le mismatch sur le switch. Kodja, le ballon a été touché, disent les arbitres. La passe pour Abdelwahad, le tir. Le tir très très bien exécuté par Beljilali sur cette passe d'Abdelouad. Les Algériens qui reprennent un peu plus d'air. Rebond Kodja. Relance Kodja. Ordonnancement du jeu Kodja, toujours. En relais Abdelouad. Kodja, le flotteur. Il l'a customisé ce flotteur. C'est très très fort. Techniquement, c'est très fort ce que fait Kodja. Attention à ne pas perdre ce ballon. Caleb Andingue, Digna Elvis à 3 points. Koslingar se bat au rebond, mais c'est Abdelouad qui le récupère. Le ballon bien volé par Digna Elvis qui s'est un peu enflammé. Et heureusement pour lui, Hassan Koslingar traînait dans les parages pour cette claquette. Kodja, Bouzidi qui est revenu en jeu, les deux playmakers, et ça c'est du bon coaching pour le sélectionneur algérien Riyad Chetou. Et déséquilibré Zakaria Kodja qui ne peut pas terminer correctement son action. Le tir à 3 points précipité, complètement précipité là de Lawa Abbas. Bouzidi, l'écran d'Abdelwahad, Karabi, Kodja qui va prendre l'écran, la petite passe, ça c'est très bien fait encore une fois de la part de Zakaria Kodja qui envoie sur orbite l'autre Zakaria, Abdelwahad. Et les Algériens qui prennent 15 points d'avance. Temps mort tchadien. À 6, on va dire 7 minutes
de la fin de ce match. Les Algériens sont devant de 15 points. Le coach tchadien qui prend un temps mort, qui va tenter des choses, recadrer d'autres. Et cette finale pour la troisième place pour l'instant n'est pas très très bien embarquée. L'Algérie va-t-elle placer deux équipes sur le podium pour la médaille de bronze? On sait que les filles se sont imposées tout à l'heure face aux Ougandaises, 53-51. Et les garçons sont en phase d'imiter les filles à 7 minutes de la fin de ce match, avec une avance confortable de 15 points. Mais on le répétera jamais assez, 15 points en 7 minutes, c'est du domaine du faisable en basket. Abdelkerim. Digna Elvis. Abdelkerim. Qu'est-ce que c'est difficile. La Wahabas à 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond, Koslenga. On va remettre en place. Non, on ne remet pas en place. C'est Digna Elvis qui prend ses responsabilités et qui canarde à 3 points. Ils se battent. On ne peut pas le leur nier. Les Tchadiens se battent. Remise en jeu. Bouzidi, Bouzidi. La petite passe pour Karabi, Karabi. Qui préfère ressortir le ballon. Beljilali, Karabi cette fois-ci. Coincé et le pied sur la ligne. Mars Karabi qui perd un nouveau ballon. Ce qui donne l'occasion aux Tchadiens de se rapprocher davantage à condition de convertir cette attaque. Hassan Koslengar qui ressort le ballon pour Caleb. Digna Elvis. Koslengar. Digna Elvis à 3 points. Il n'est pas sorti de ses appuis. Le rebond pour Abdelouad. Zakaria Kodja qui finalement se débrouille bien avec ses trois fautes. Kodja qui se fait chipper le ballon et réclame une faute qu'il n'obtiendra pas. Attention à ne pas prendre une faute technique là, Kodja. La Wahabas, Koslengar, Koslengar. Qu'est-ce que c'est difficile ça, qu'est-ce que c'est difficile. Le contre et le rebond algérien. La contre-attaque menée par Kodja. Kodja qui va provoquer la faute d'Abdelkerim. Et de nouveau lancé franc pour Zakaria Kodja. Auteur de 15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. L'homme à tout faire de cette sélection algérienne. 16e point pour lui. Et un de plus qui font 17. Plus 12 pour les Tchadiens. 57 à 45. 5 minutes à jouer. Digna Elvis. La Wahabas. Koslengar. Digna Elvis à 3 points. Un peu long. Le rebond. Oui. La Wahabas. Ah, le pied. Le pied sur la ligne. Pied dehors. Qu'est-ce qu'il gaspille? Qu'est-ce qu'il gâche comme munition? Les jeunes joueurs du Sao, du Tchad. Kodja. Kodja dans ses œuvres. Bouzidi à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond. Caleb Andingue. Digna Elvis. Digna Elvis. Hassan Koslengar. Abdelkerim. Abdelkerim à 3 points, lui non plus, n'est pas chanceux, n'est pas verni, et les Algériens qui repartent.
4 minutes à jouer. Lawabas dans son duel. Il est court. Le shoot de Zakaria Kodja. Les Tchadiens qui vont tenter de se rapprocher encore un peu. Bouzidi a 3 fautes. Il ne peut pas défendre comme il souhaite. Karabi en duel avec Oyayay. Oyayay. C'est certainement la 4e faute de Zakaria Kodja, si je ne m'abuse. Sera-t-il coaché? Ou alors va-t-il continuer avec ses 4 fautes? À moins qu'il y ait un entre-deux sifflé. Kodja. Beljilali. Karabi, Bouzidi, Karabi dans la peinture, le dunk! In your face! Ce dunk de Karabi sur la tête de Caleb Ndingé, comme un point d'exclamation sur cette petite finale. Une action tellement bien construite avec un bijou de passe décisive de Adam Bouzidi. Moralement, ça peut être très très dur pour les jeunes Tchadiens. Beljilali, Kodja. Attention à la fin de possession. Kodja, le spin move, le flotteur du grand art, Zakaria Kodja. 19 points pour Zakaria Kodja. Qui pour l'instant est en train de remporter son duel avec Caleb Ndingé, les deux meilleurs joueurs de la rencontre. Faute offensive d'Abdelkerim. Une faute qui ne s'impose pas. Et temps mort. Mort pour les Tchadiens. Les Algériens ont repris le large à 2 minutes 24 secondes de la fin. Ça commence à sentir très très bon pour Zakaria Kodja et ses partenaires. Une médaille qui ferait un très grand plaisir à Youssef Bouzid, qui s'est tordu le poignet hier et qu'on voit, hein, sur maillot, essayer d'encourager ses coéquipiers. L'Algérie tire le bon bout. Le score sera-t-il en faveur des jeunes Fennec d'ici 2 minutes 24 secondes, où les Tchadiens sont capables de renverser la vapeur? À suivre. La remise en jeu sera effectuée par Beljilali pour Bouzidi. Adam Bouzidi. Voilà, la fin de passe manquée. Lawabas qui intercepte ce ballon. Caleb Ndingé. Vignan Elvis. Abdelkerim à 3 points. Ils ne lâcheront rien. Les Sao du Tchad, ils se battront jusqu'au bout. Karabi. Kodja dans ses œuvres. La petite passe interceptée. Mais trop de précipitation de la part d'Abdelkerim qui perd ce ballon. Attention à ne pas être sanctionné. Heureusement pour eux, le tir d'Adam Bouzidi n'est pas converti. Dignan Elvis. Caleb est contré. Le rebond n'est pas assuré. Et c'est une contre-attaque facile pour les Algériens. Attention. Adam Bouzidi s'est fait mal.
Dinia Elvis. Les Algériens défendent à 4 contre 5. Elvis est revenu. Ballon perdu. Adam Bouzidi. 4 points, coup sur coup en contre-attaque. Avec une nouvelle passe décisive de Zakaria Kodja. 19 points, 5 passes pour le stratège algérien Koslengar. Airball. Lawa Abbas qui récupère le ballon. Caleb. Caleb dans son style si particulier. Il va obtenir une faute. Et deux lancers francs à suivre. Faute d'Abdelwahad. Les Algériens vont s'imposer. Les Algériens vont remporter une belle médaille de bronze. Et si en plus, l'homme à tout faire de cette équipe n'arrive plus à marquer, ni dans le jeu, ni sur lancer franc, Caleb Ndingue, les carottes sont très très cuites. Elles sont même cramées. Kodja. Kodja qui va jouer l'horloge. Kodja. Quelle manière de balle, ce Zakaria Kodja. Quelle manière de balle. Et le flotteur pour finir qui ne rentre pas. Il a croqué un peu Kodja. Il faut des attaques rapides, des shoots rapides pour les Tchadiens. Voilà. Ça s'est bien fait de la part de Caleb Ndingue. Mais bon, les Algériens ont match gagné. Bouzidi. Bouzidi qui va garder le ballon. Beljilali. Beljilali. Karabi à 3 points au buzzer. Airball. Et ça y est, on va en rester là. Victoire et troisième place pour l'Algérie. Après 2009-2011, l'Algérie qui remporte la médaille de bronze dans ce championnat d'Afrique U16 masculin. Une équipe algérienne menée par un Zakaria Kodja de Gala, le playmaker de cette équipe algérienne, qui a réussi un très bon match, permet à sa sélection en tout cas de monter sur le podium et de remporter la médaille de bronze. 19 points pour Zakaria Kodja, 5 passes décisives, 5 ballons perdus malgré tout. Bien aidé par Zakaria Abdelwahad. 11 points, 10 points pour Beljilali, 10 points pour Bouzidi. 4 joueurs à plus de 10 points, ça aide à remporter une médaille. Côté tchadien, Caleb Ndingue était un peu trop seul. 25 points, 10 rebonds, double-double. Abdelkerim, 8 points. Koslengar, 7 points. Voilà, ça n'était pas suffisant pour opposer une résistance à cette équipe algérienne. Ça n'était pas suffisant pour remporter la médaille de bronze. Les jeunes Tchadiens ont le mérite d'y avoir cru jusqu'au bout, de s'être battus jusqu'au bout. Première participation, quatrième, ce n'est pas rien. À eux de continuer de travailler, mais en tout cas, ils sont sur la bonne voie. Et on leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Nous allons prendre congé de vous. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye bye.